Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'inaugurer un centre d'innovation de Nokia ici à Salé. C'est le premier centre d'innovation de Nokia en Afrique et au Moyen-Orient. Ici vont se développer les dernières technologies et vont être adaptées aux marchés nationaux et aussi aux marchés de plusieurs pays d'Afrique. Ce centre va aussi contribuer à la formation des jeunes marocains au digital et aussi à la formation des personnes d'Afrique souhaitant être formées dans les dernières technologies ici à Salé, au Maroc. Aujourd'hui est une étape importante dans le cadre du plan Digital Morocco 2030, avec l'inauguration du centre d'innovation de Nokia ici à Salé. Ce centre est une avancée majeure pour la transformation numérique du royaume et une première en Afrique et au Moyen-Orient. Il s'inscrit dans l'ambition marocaine de devenir un leader régional en matière de technologie et d'innovation numérique. Le centre d'innovation de Nokia contribuera également au développement des talents numériques au Maroc. Nous proposons déjà des formations initiales et des certifications pour des ingénieurs marocains et nous prévoyons à ce titre de certifier plus de 500 ingénieurs dans les années à venir. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être réunis tous ensemble en présence de Son Excellence, Madame la Ministre Rita Mzour, pour l'inauguration du Nokia Innovation Center. Le Nokia Innovation Center est le premier du genre en Afrique et au Moyen-Orient, qui a pour objectif de faire des tests de validation d'équipements de dernière technologie, IP, optique et accès fixe, avant déploiement chez les clients un peu partout dans le monde, mais principalement pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Donc à partir du Maroc, nous allons valider ces équipements. C'est aussi un centre de formation pour nos clients sur la région Afrique-Moyen-Orient. En plus de cela, nous comptons l'utiliser également pour former des jeunes ingénieurs ou aider à la reconversion d'autres jeunes dans le cadre de la réalisation de l'objectif 2030 en termes de talents numériques. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.